Mesdames et messieurs, bienvenue à Dessiner avec Paolo. Ladies and gentlemen, welcome to DWP Drawing with Paolo. Today we're going to draw an American soldier. Aujourd'hui, nous dessinons un soldat américain. Voici son coude et son bras. Here's his arm, his forearm, which will have his second hand here holding his magazine clip. On va avoir son deuxième bras ici avec son coude. Alors, tout ce que je fais présentement, c'est que je design l'armature de mon personnage. So what I'm doing right now is drawing the armature of my character, so just drawing basic lines that will help me in determining where I'm going to put this character on my page. Ce sont des lignes de base qui me permettent de définir où je vais positionner mon personnage sur ma feuille de papier. Here's where his helmet's going to be. Voici son casque. Et c'est arrondi sur le haut comme ceci. And it's rounded out on top just like this. And then we can erase all these lines. Et nous pouvons maintenant effacer toutes les lignes de fondation au niveau du casque. Alors ici, un petit carré qui permet aux soldats américains de mettre des éléments supplémentaires comme des caméras, des choses qui permettent, bon, disons, de la technologie. So this little square here allows the American soldier to adapt objects to his helmet, such as cameras and other technologies. And then there's this band here. We'll shorten this a little bit. Nous allons raccourcir un petit peu le côté de son casque parce que c'est pas si long, généralement. On va lui mettre une petite boîte sur le côté de la tête. We're going to put a little box on the side of his head. Maybe he's got supplies in there. And we're going to color this nice and black. Nous allons colorier le tout en noir. Voilà. Alors, ce dessin est dédié aux hommes et aux femmes qui gardent nos pays respectifs sains et saufs et en sécurité et en paix, bien sûr. So this drawing goes out to, is dedicated to all the men and women that keep our respective countries safe and free and peaceful. So here's my soldier's nose. And here's where his eyebrow would be. We're going to hide everything with glasses, however. Voici des lunettes qui iront cacher ses yeux. Alors, j'ai mis la ligne de sourcils, mais nous allons colorier par-dessus le tout en noir pour faire sa lunette. C'est un soldat de désert, donc des lunettes fumées. This will be a desert soldier, so I would say sunglasses are required. Here's his upper lip. And the bottom lip. Voici la lèvre du bas. Et son menton, bien sûr. Et puis, il y a une petite corde ici au bout du menton qui permet de garder son casque en place. There's a little string that keeps this helmet in place. And we're going to draw his cheekbone, dessinons la ligne de sa joue. Et une autre corde ici qui tient son casque en place avec des petites boucles. And here's another little strap to keep his helmet on. And we can erase all these lines that we don't need anymore. There we go. I'm going to retrace the box here, color this in, on va colorier la boîte, la rendre plus foncée, mettre des ombres à cet élément-là. We're gonna add some shading, and a few holes for screws and whatnot. Alright, so we're gonna shade these glasses a little bit more. Nous allons mettre un petit peu d'ombre au niveau des lunettes, pour décaler le casque des lunettes. So we're gonna push these glasses back a little bit compared to the helmet. Petite division ici au milieu, a little divider in the middle. And then we're going to add a few more elements here. Maybe he can attach an antenna to the side of his helmet. Peut-être qu'il est capable de connecter une antenne sur le côté de son casque, de ce côté-ci. Voilà, petite épaisseur, a little thickness to that. And we'll color that in, make it a little bit darker. OK, nous allons faire maintenant un petit peu d'ombre au niveau des attaches. Et un petit peu d'ombre au niveau des lunettes.
voilà, un petit peu foncé au niveau de la lèvre. So, make the lips a bit darker. And also add his collar here to his jacket. Donc, nous allons maintenant dessiner le collet à son vêtement. Voilà maintenant l'ombre pour repousser le col arrière. And we're going to retrace the outline of his helmet too. Donc tout ce que je fais présentement, c'est de retracer mes lignes fondatrices, les rendre plus sombres pour pouvoir les garder. Celles-ci, ce sont des lignes que je vais garder définitivement. Maintenant, nous allons travailler son bras gauche. We're now going to start work on his left arm. So here's his shoulder, which attaches to his tricep, which attaches to his elbow, which attaches to his forearm, like this. Alors, son épaule, son bras et son avant-bras, tout dessiné qui viennent se joindre à son bicep ici. Et je vais aussi dessiner des lignes de plis au niveau du vêtement. I'm also going to erase all this content, which I don't need anymore. De toute façon, toutes les lignes de base qu'on n'a plus besoin, les lignes fondatrices. Et on va lui donner son flak jacket, ou disons son, sa veste par balle. We're going to draw his flak jacket here, his bulletproof vest. Putting some lines and we'll erase a few others. There we go, a little bit of a thickness. And this goes underneath the arm. Alors, cette ligne passe en dessous du bras pour démontrer que le bras gauche passe devant sa veste par balle. Et nous ajoutons des petits détails comme, bien sûr, des ceintures. We'll add a few details like buckles and ties. All right. Voilà. Nous allons rendre le cou un petit peu plus sombre pour repousser cet objet plus loin à l'arrière dans le dessin. We're going to color in the neck part, which will push the neck part back a little bit, as opposed to his helmet and his face, for example. We'll make it nice and black, close to the helmet. Et nous rendons l'ombre plus foncée près du casque. Et ici, sur le bras, nous allons lui faire un petit sac où il peut contenir des éléments, là, peut-être médical ou des médicaments ou d'autres balles, qui sait. Donc, une petite pochette sur son bras. We're gonna have this little pouch here on his arm where he can hold medical supplies or bullets or something like that on his arm band pouch here. And we'll erase these lines that we don't need. De toute façon, les lignes à l'intérieur de ce petit sac, cette petite pochette de bras. Et nous allons ajouter des petites boucles ici aussi, des boucles métallisées, pour démontrer que c'est attaché au bras au niveau de ces boucles. So we'll add a few buckles here, and maybe even the American flag. You can put your flag there. If you're French, put your French flag. If you're American, go ahead, put the American flag. If you're Australian, put the Australian flag. You get the idea. If you're Canadian, put the Canadian flag. For now, I'm calling this the American soldier, so I'm putting an American flag here. Donc, je suis en train de faire le drapeau pour ce soldat. J'ai décidé de faire un soldat américain. Mais si vous êtes français, mettez le drapeau français. Si vous êtes suisse, mettez le drapeau de la Suisse. Si vous êtes africain, allez-y et mettez le drapeau de votre pays. Ne gênez-vous pas de changer l'illustration. C'est pas obligé d'être exactement comme le mien. C'est votre illustration, vous le faites de votre façon. So you don't have to draw exactly like I am. The drawing you're making is yours, and you make it the way you want. I'm going to make his elbow pads here, and just retrace a few of these lines, make this a little bit darker here by his collar. But elbow pads will help him crawl on the sand and the stone and stuff like that. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai fait des coudes pour protéger ses coudes lorsqu'il rampe dans le sable. Et maintenant, je fais des lignes de pli au niveau de son avant-bras. Nous allons effacer les lignes fondatrices. Let's erase the foundation lines as we don't need them anymore. And we'll color in these parts later on. Nous allons colorier l'intérieur de ces plis bientôt pour démontrer que les plis de vêtements sont un petit peu plus loin. Travaillons maintenant sur la main gauche. Qui tiendra son fusil, sa carabine ou sa mitraillette. I'm going to draw his left hand here, which will be holding his machine gun. It'll be an M4 machine gun, or it'll look like an M4 machine gun. It won't be exactly an M4 machine gun. Donc, je vais dessiner une mitraillette M4. Ça ressemblera à celle-ci, mais
C'est pas exactement, ce sera pas exactement ce fusil-là. Alors, je vais colorier maintenant l'intérieur des plis. I'll now color the inside of a fold to make that material look like it has depth to it. And we'll add some circles to his elbow pads. Donc, on ajoute des cercles ici au niveau de son coude, son protège-coude. Et je vais ajouter des plis au niveau de la ganse qui s'attache autour du bras. Et nous colorions le tout en noir. We'll color everything nice and dark. Especially here at the bottom, where it'll be a lot darker due to a gradient. The bottom part is darker than the top part. The light coming from the top, the bottom part will have to be darker. Donc ce que nous allons faire, nous allons colorier le tout en noir, mais la partie inférieure, surtout au niveau du coude, sera plus foncée que la partie supérieure, étant donné que la lumière vient du haut. Nous sommes dans le désert d'ailleurs, donc la lumière, le soleil est très haut, et très fort, alors l'ombre devrait être en dessous, comme ceci. So the shading will be underneath here because of the bright sunlight in the desert coming from the top, straight from the top. Therefore, there's also shading underneath the pouch here. That'll be required too. Nous ajoutons quelques lignes de détail au niveau du coude pour terminer ce protège-coude. Un petit peu plus d'ombre dans les sections inférieures de ce morceau d'équipement. So a little bit of shading here to the part of this piece of equipment. And we'll shade the underside of the arm here as well. Make this darker. Nous allons ombrager la partie inférieure de son bras aussi. Just like that. So we're using a gradient. Lighter at the top, darker at the bottom. And it's getting progressively darker as we go along. Donc nous utilisons un dégradé. Plus pâle en haut et plus foncé en bas. Et lorsque nous dessinons, plus que la partie inférieure est sombre. Même chose ici pour le coffre. Pas le coffre, mais sa manche. Bon, nous allons retracer la petite pochette. Let's retrace here the little arm bag. And we'll erase that little line in there. Nous allons effacer la petite ligne à l'intérieur de la tâche. Et maintenant, je vais dessiner un petit logo, peut-être un genre d'oiseau, sur son épaule, qui représente peut-être le groupe avec qui il est. So I just drew a little logo here that represents the badge to what this person's army team is all about, or God knows what team he's part of. We'll add his fingers. Nous allons ajouter ses doigts. Et nous pouvons commencer le travail sur le fusil. Alors, voici l'arrière du fusil. Here's the back of the gun. And we'll make a nice long line. Faisons une belle ligne droite. Et ici, il y aura bien sûr où se trouve la gâchette. A little bit more of a thickness here. Petite épaisseur ici. Et son autre main sera ici sur le fusil, dans le bas du fusil. There's a second hand here that'll be at the bottom on the magazine, on the clip. Voilà, on redéfinit les doigts. Let's redefine the fingers. Make them a bit more detailed. And we'll add padding to the knuckles. Nous allons ajouter de la protection au niveau des jointures. Et nous allons pouvoir effacer les lignes ici au niveau du fusil. Il est possible que vous n'ayez pas effacé dans votre dessin. Dans mon dessin, parce que j'utilise beaucoup de lignes fondatrices, je dois gommer fréquemment. Mais si vous ne faites pas exactement comme moi, c'est peut-être pas nécessaire de toujours gommer les choses que je gomme. Alors, portez attention à ce que vous gommez. C'est peut-être pas nécessaire de le faire quand moi je le fais et vice-versa. So sometimes I'm erasing stuff that you may not have to erase. As your drawing is probably not evolving like mine is, I tend to erase a lot because I use a lot of foundation lines. And once those lines are no longer required, I get to erase them out of there. So you may not be using so many foundation lines, and that's okay. But that's just to say that when I erase something, you may not have to erase it yourselves. You may have to erase additional stuff that I did not draw. So that's okay. It's your drawing. You do it like you like.
I'm doing this one like I like. Alors, votre illustration est le vôtre, et c'est ce qui est important, c'est ce qui compte, c'est ce qui fait en sorte que chacun de nos dessins sont différents. C'est vous qui l'aviez fait, alors vous aviez la liberté de faire le dessin comme vous voulez. Donc, nous allons dessiner une belle grande pochette ici à l'avant du soldat. We're going to draw a big pouch here at the front of the soldier. May have additional items in there. Who knows? Grenades, additional clips. Il y a peut-être des grenades dans cette pochette, peut-être des magazines supplémentaires. Des balles, je ne sais pas trop. S'il y a des soldats qui nous écoutent aujourd'hui, ben vous pouvez nous donner des exemples sur ma page YouTube de ce qu'il peut y avoir dans ces petites pochettes à l'avant du soldat. So if there are any soldiers watching today, you can leave us comments on my YouTube page about what goes into these little pockets at the front of the bulletproof vest. It'd be nice to know. Alors voici le dessus de la main et l'avant-bras de droite. So here's the right forearm that we're drawing in here. Remember that he has a protection on his elbows. N'oubliez pas qu'il a de la protection sur son coude. Et voici son bras de droite. Nous pouvons effacer les lignes intérieures. We can erase those lines inside there. And retrace straps here for his bulletproof vest. Going across, just like this. Alors voilà des lignes qui vont de travers pour sa veste par balle. Nous allons maintenant colorier l'ensemble de son fusil en laissant certaines sections plus pâles. So we're going to color the rest of his gun here while leaving certain parts of it brighter to make it look like the reflections. And of course, there's his gun sight here. We're going to erase this. I'm going to show you how I really erase for today. Alors nous allons gommer certaines zones ici au niveau de son viseur, hein, c'est dans l'élément dans lequel il mire ses cibles. Et nous allons colorier le tout en noir. So we're going to color the whole gun black. There we go. The butt is done. Donc l'appui du fusil est entièrement complet. Et nous allons travailler comme ça pour le restant du fusil aussi. We're going to draw like this for the rest of the gun as well. All right. I'm making certain areas darker to give it more reality. Donc, je fais certaines sections plus foncées, je donne un petit peu plus de réalisme en donnant des tons différents au niveau du fusil, même si le tout est noir. There we go. Add a little line over here. Nous allons diviser cette section-ci en trois ou quatre parties différentes pour démontrer qu'il y a des pièces mécaniques à cet endroit-là. These separations, these three or four separations demonstrate that there are mechanical parts in this section of the gun. And we're going to color this a lighter shade of gray than the butt of the gun. Alors cette section-ci, nous allons colorier un petit peu plus foncé que la partie inférieure, juste en dessous, pour démontrer au moins les divisions dans chacune de ces parties du fusil. Alors avant de faire mon dessin, j'ai fait une recherche sur Google. J'ai recherché soldats américains ou équipement de soldats américains. Et puis j'ai regardé une dizaine de photos. Puis je me suis inventé ce personnage dans ma tête. Et je la dessine maintenant tout bonnement comme ça. Mais bien sûr, j'ai toujours les photos sur mon iPad. Alors si jamais j'ai besoin de vérifier des détails, je retourne au iPad pour voir à quoi ressemble le fusil, ou à quoi ressemble leur gant, ou à quoi ressemble leur casque. Puis c'est pas quelque chose de négatif de prendre des objets pour nous aider à dessiner. En fait, c'est nécessaire pour avoir un réalisme au niveau de notre dessin. Alors, ne vous faites pas dire que c'est tricher de dessiner avec des aides visuelles. C'est très nécessaire, ça aide énormément pour composer un réalisme au niveau de notre illustration. Lorsqu'on obtient beaucoup plus de confiance, et lorsque nous redessinons fréquemment les mêmes illustrations, bon, on n'a plus besoin de support graphique. So what I was saying in French is that before drawing this soldier, I decided to go online and search for a bunch of pictures for American equipment or American soldier equipment or American soldier gear and looked at 10 or so pictures and then decided to compose this character here from those drawings. So, you know, those pictures are still open next to me and they allow me to look at what the guns look like, what the gloves look like, what the helmet looks like, and that helps me compose this character
I am drawing it from scratch, but I am using drawing pictures as a reference tool. So, and don't let anybody tell you that it's cheating to use reference material. That is wrong. Reference material helps you in composing your imagery, even though you're composing it. You know, this picture is totally from scratch. I'm inventing it as I'm going on, but I am using reference material to help me draw the content, and that is totally fine. You can do that anytime. Find some drawing material or some pictures to allow you to create new characters as I'm doing now. And I get that question a lot. Is it right to copy something? Well, copying is one thing, but to help yourself with imagery, that's something else. All right, so we're not tracing here. We're just inventing a character using real pictures. Donc, ce n'est pas tricher d'utiliser des matériaux, des photos, des images, des dessins de référence pour faire notre propre dessin. Ça va. So this side here is the same as this side. This should be dark. Donc, le côté gauche et le côté droit ici devraient être exactement pareil, aussi foncé l'un côté de l'autre. Voilà, très foncé. Les mêmes lignes de détail au niveau du coude. Je vais colorier cette section-ci très sombre en dessous de la manche. I'm going to color this side here really dark for the underside of the sleeve. And then we're going to start working on the bottom part here of our soldier. We're really done, actually. Nous allons commencer à travailler sur la partie inférieure de notre soldat, que nous avons bientôt terminé. On peut voir ses jambes maintenant. Nous allons effacer les lignes de la jambe, faire ici son entrejambe comme ça. Let's draw his belt line, just like this. And we're going to add a few more details here for the belt, vertical lines, and coloring it underneath the pouch. Donc, colorier ici sous la sacoche, le petit sac ou la petite pochette au niveau de son abdomen. On va colorier très foncé tous les éléments de son gant. I'll color everything, every part of his glove, nice and dark. These look like Oakley gloves that I own. Ces gants ressemblent à des gants Oakley que j'ai en ma possession. Ce sont mes gants d'hiver que j'aurai à sortir bientôt. Parce que, au moment de ce dessin, c'est l'automne ici au Canada. Et il commence à faire froid, alors il faut commencer à porter des gants bientôt. So, at the time of shooting this video, it's fall here in Canada, so we're going to start wearing our gloves soon. All right. Add more details to this finger here to properly separate each digit. I'm going to add another little pocket here. On va ajouter deux petites pochettes ici. Pardon. Sorry about that. We're going to color these parts in here. Make this a little bit darker, push everything back there. There we go. Alors voilà, j'espère que mes dessins vous aident. J'espère que ces vidéos sont bons pour vous. J'espère que ça vous aide à apprendre à dessiner. C'est sûr qu'on a des niveaux d'expérience différents. Si vous débutez, allez trouver des vidéos plus simples à faire sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne, c'est Drawing with Paolo. Vous allez pouvoir la trouver tout simplement. Et commencer avec les choses plus faciles, comme par exemple les formes 3D, ou les lettres, ou les citrons, ou la citrouille. Alors, ma recommandation, allez sur ma chaîne et trouvez tous les vidéos. Et j'ai des vidéos très faciles à faire par rapport à celui-ci, qui est un petit peu plus difficile. So, as I was saying in French, is if you find this drawing too difficult, go onto my YouTube channel, Drawing with Paolo, and you can find some far easier drawings to make. For example, the pumpkin, the lemon, the dagger. Those drawings will help you out if you're just beginning. If you're more advanced, this is the type of drawing that you can definitely attempt to do. And I hope they do help you out in learning how to draw and gaining some experience. So I'm going to put in a little backpack here, this is probably a sleeping bag, donc un sac de couchage derrière son cou ici, qui devrait être jumelé à son sac à dos. Voilà un petit peu de détails au niveau de son sac de couchage. J'imagine que c'est un sac de couchage, peut-être c'est seulement que le petit matelas qui va en dessous de son sac de couchage. This might be a sleeping bag, but also be a little mattress or a little mat that they put underneath the sleeping bag. Again, if you're a military person, please advise us on, you know, how realistic our drawing is. You can leave comments on my YouTube channel
on this video page, and I'd love to hear from you. Donc, si vous êtes militaire et vous regardez cette illustration, vous pouvez peut-être nous expliquer certains détails du dessin, car je ne suis pas un militaire du tout et je dessine tout simplement ce que je vois, donc je ne connais pas tous les détails. Donc, laissez-nous un commentaire concernant ces détails sur ma page, sur la page de cette vidéo, sur YouTube. All right, let's add another pouch to his thigh here. Maybe more supplies here on his thigh pouch. Maybe a gun. I don't know. We'll put pouches everywhere. Et nous allons dessiner une autre petite pochette ici, sur la cuisse gauche, qui, dans laquelle il pourra avoir peut-être un fusil, ou des grenades, ou je sais pas trop. D'autres outils militaires dans cette poche, dans cette pochette. Avec les ceintures, bien sûr, attachées autour de sa cuisse. With little belts tied to his thigh here. And we'll make this pouch black as well. Nous allons colorier cette petite pochette noire aussi, pareil comme celle qu'on a fait pour son bras. Exactly like the one we did for his arm. Alright, so today's challenge, it's a challenge drawing today. So the challenge is to draw his environment. I'll draw an environment, but I'll not show you how I drew it. I'll just show you the ending. And you can draw the environment that you like behind the soldier. So that's today's challenge, sort of like I did with Spider-Man and the skateboarder. So I'm going to allow you a quick challenge. You draw the background, and my drawing will just, you know, the background will suddenly appear. Alors, ce que je disais en anglais, c'est que le défi d'aujourd'hui pour cette illustration, c'est vous devez dessiner l'arrière-plan de ce dessin. Alors, moi, je vais tout simplement dessiner le personnage, et mon arrière-plan va tout simplement apparaître soudainement. Je vous ne montrerai pas comment je vais dessiner mon arrière-plan. Il apparaîtra tout d'un coup. Et ce sera à vous, donc, de dessiner votre propre environnement pour votre personnage militaire. Alors, vous choisirez l'environnement que vous voulez. Moi, je vais faire un environnement plutôt désertique, un désert. Pas désertique, mais bon, du désert. Et puis, vous mettez l'environnement que vous voulez. La jungle, la ville, n'importe quoi. C'est le défi d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. So that's today's challenge, draw the background. Now what we're going to do is color in some camouflage texturing onto his armor and his suit and whatnot. Donc, nous allons maintenant ajouter des détails de camouflage au niveau de son costume. Et je vais accélérer le processus parce que c'est un peu comme le dessin du léopard, du guépard. Hein? Du léopard, c'est pareil. It's exactly like the leopard drawing we did together a few months back. And so I'm going to accelerate this drawing process here. And you guys can go ahead and copy along, putting in some camouflage patterns. Well, that's our drawing for this week, the American soldier. Ceci est le dessin de cette semaine, le soldat américain. J'espère qu'il vous a plu. Et je souhaite vous voir la semaine prochaine sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Well, this is the American soldier. I hope you enjoyed it. Here's my background, and I hope to see you in another episode on Drawing with Paolo. See you soon. Take care. Have a great day. À la prochaine. Passez une belle journée. À bientôt.